What? Léa, tu as créé ta marque donc il y a à peu près un an, c'est ça? Il y a 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi? Oui, c'est ça. Tu es de Tarbes? Je suis de Tarbes, originaire de Bagnères-de-Bigorre. Ok, et donc dis-nous un petit peu le rapport, parce que tu as un logo un peu particulier, je le montre. Oui, tout à fait. Et aussi une petite histoire sur l'étiquette. Alors c'est le logo, ça vient d'où? Alors le logo, c'est une grande designer qui l'a dessiné spécialement pour nous. Donc on a le pic du Midi qui représente les montagnes, mes racines, avec le Montaigu, le soleil pour représenter mon côté solaire, le côté solaire de la marque et l'ascension de l'entrepreneuriat. Et on a aussi le côté océan avec le côté vague. Super. Et pour l'instant, tu es implantée sur Tarbes. Tu as peut-être les nouvelles galeries qui tapent à ta porte. Tout à fait. Ce que tu m'as dit. Tout à fait. Alors j'ai été contactée par les nouvelles galeries du 65, donc Tarbes, qui m'ont contactée pour exposer pendant la période de Noël pour tester du 18 au 23 décembre pour exposer. Donc je serai en pop-up store éphémère sur cette semaine-là. Donc j'exposerai ma nouvelle collection et la collection de l'été dernier pour proposer aux personnes qui viendront nous voir un cadeau peut-être pour Noël, pour offrir. Mais c'est même sûr, il va falloir qu'ils proposent un cadeau. Tout à fait. Et juste dernière chose, parle-nous, tu as eu un petit prix apparemment dernièrement. Alors j'ai été nommée au BOBA, donc c'est les Business Awards de Tarbes qui représentent toutes les entreprises du secteur du 65. J'ai été nommée dans la catégorie Good RSE, c'est la catégorie responsabilité sociale de l'entreprise. Et j'ai été nommée suite à tous mes efforts pour sauver notre belle planète grâce à tout ce qu'on met en œuvre et tout ce qu'on met en place pour l'environnement. Et j'en suis très très fière et j'ai remporté le prix. Et ça, c'était mardi soir à Tarbes. Donc félicitations. Merci beaucoup. Et ça va même, puisqu'on en a parlé juste avant, ça va même jusqu'à l'étiquette que totalement. Je remontre. Donc l'étiquette, c'est des étiquettes ensemencées et à l'intérieur, on peut retrouver des graines de marguerite. Donc si on les humidifie et qu'on les met dans le compost, ça se désagrège. Et ensuite, si on les plante, du coup, ça se transforme en jolies petites fleurs de marguerite. Et ça, c'était vraiment très, très important pour moi de mettre en place des petites nouveautés pour justement rendre notre planète encore plus belle et limiter nos déchets. Bon, on t'en remercie. Et tous les reportages de Tchak se terminent par Tchak Me 5. Alors ça va être compliqué, mais Tchak Me 5. Tchak. What?